Chers Sénégalais, permettez-moi tout d'abord de vous dire bonjour avant de poursuivre ma missive. Je suis un habitant de la commune de Ngadj, plus particulièrement un village appelé Ngolou. Je me nomme Aliou Cissé. Je m'exprime aujourd'hui devant vous sans crainte ni adoration, mais voulant tout simplement que nous réfléchissions un tout petit peu sur ce cas que je voudrais souligner. Aujourd'hui, le Sénégal est un Sénégal pour tous. Mais malheureusement, il y a une tranche d'âge qui a été éliminée du Sénégal, c'est-à-dire l'adulte. L'adulte aujourd'hui au Sénégal ressemble à un frein pour le développement. L'adulte aujourd'hui au Sénégal n'a pas de rendement, n'a pas de valeur et n'est capable de rien faire pour le Sénégal. Vous avez promis de développer le Sénégal avec une tranche d'âge de 35 ans, avec les femmes. Mais, chers amis, sachez que jusqu'à 40 à 60 ans, si vous voulez négliger cette tranche d'âge, disant que vous voulez développer le Sénégal, je ne dirais pas que le Sénégal ne partira pas avec ses pas, mais il ira avec des pas de caméléon. Donc, sans mot dire, sachez que dans le mécanisme de la société, il n'y a point de ressort inutile. Et contre le ministre qui gouverne l'État et l'artisan qui contribue à sa prospérité par le travail de ses mains, il n'y a pas de différence. Mais aujourd'hui, l'adulte, surtout quand il est dans le secteur informel, il ne représente rien au Sénégal. Au secteur formel, au moins on utilise l'individu jusqu'à 60 ans. Mais aujourd'hui, dans le secteur informel, à 35 ans, 40 ans, on est éliminé de la société. On n'en parle pas, on n'en fait rien. Alors, que voulez-vous de nous? L'expérience qui se trouve entre 40 et 60 ans, le savoir-faire, que voulez-vous de cette tranche d'âge? Nous avons le ministère de la jeunesse, le ministère de la femme, de l'enfance, mais l'adulte. Mais au moins, pensez-y. Organisez-nous, car l'excellence, on peut avoir l'excellence sans pour autant savoir de potentiel qu'on a. Et pour avoir l'excellence, l'excellence se trouve entre quatre piliers: le potentiel, l'organisationnel, le prévisionnel et le commercial. Là, on pourra au moins atteindre l'émergence que souhaite tout le monde. Donc, je fais un appel, plus particulièrement au président de la République, M. Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, et à son premier ministre, de réfléchir sur cette tranche d'âge, car ce n'est pas quelque chose à négliger. Nous crierons haut si rien ne va, et nous agirons quand il le faudra.
car nous ne sommes pas un frein pour la société. Nous ne sommes pas une poubelle. Nous ne sommes pas nuisibles pour la société. Je fais appel à tout le monde, à tous les Sénégalais, de réfléchir là-dessus pour que, au moins, qu'on puisse trouver mieux que ça. Donc, chers amis, sachez que les 1000 routes qui s'ouvrent à l'activité humaine, chacun de nous en a pris une. La carrière des uns est brillante, mais celle des autres obscure et cachée. Mais que ceux qui auront la plus modeste part n'en murmurent point. Parce qu'entre le ministre qui gouverne l'État et l'artisan qui contribue à sa prospérité par le travail de ses mains, mes amis, il n'y a qu'une seule différence. La fonction de l'un peut être peut-être plus importante que celle de l'autre. Mais, allez bien remplir, le mérite moral est le même. Donc, que chacun se contente de lui, de la part qui lui est échue. Qu'il la remplisse avec courage, énergie, honnêtement et fidèlement. C'est ce qui est donné à l'homme de faire dans sa vie. Chers amis, merci et à bon entendeur. Je ne terminerai pas sans pour autant remercier mon frère Chérif Ndiaye qui m'a aidé à pouvoir vraiment m'exprimer dans ce petit sillon de messages, dans ce réseau qui peut-être pourra permettre à une grande réflexion pour tout le Sénégal. J'ai fait appel à toutes les télévisions privées pour qu'on en parle, pour qu'on en discute, pour trouver au moins une solution. Merci Serge, merci et merci beaucoup.